Donc, bonjour à tout le monde. Partagez-moi cette vidéo parce que notre pays retiendra ceux qui voudraient mettre ce pays-là dans les problèmes. Merci beaucoup. Ramatoula, mon nom, mon compte, et Salma Fou. Salut, Satou Baldé. Vous savez, on dit non, Benito, arrête d'attaquer dans ça. Moi, je n'attaque pas dans ça. Sa face là n'a rien à voir avec moi. Rien, absolument rien. C'est que Traoré, ça m'a faux. Rien, absolument. Mais ce monsieur fera partie de la liste des personnes qui auraient mis ce pays dans un chaos lorsque le chaos arrivera. Nous le citerons. Monsieur Dansa Kuruma, le fameux président du CNT qui n'a pas obtenu son premier projet d'envoyer des gens au Rwanda à travers nos directs, nos lives, parce qu'on l'a lavé, en l'expliquant que le Rwanda n'est pas un pays d'exemple. Le président rwandais est un assassin, c'est un terroriste, c'est un poutiste. Le dernier document du célèbre écrivain canadien en fait foi. Aujourd'hui, Paul Kagame est en train de payer de l'argent pour que ce livre-là soit acheté et qu'il soit mis de côté. Mais les gens en ont déjà des exemplaires. Il a détaillé comment il a attaqué le Rwanda, comment lui-même en personne il a participé au génocide. C'est là-bas que notre Dansa Kuruma voulait envoyer des députés du CNT qui n'ont pas été élus par le peuple. Selon lui, ils sont les représentants du peuple pour aller nous représenter et rédiger la nouvelle constitution. C'est-à-dire, notre constitution n'a jamais été tirée de la sous-région, mais c'est jusqu'au Rwanda. Je ne sais pas dans quelle partie de cette constitution-là intéresse très bien la Guinée, je ne sais pas. Donc, comme il n'a pas réussi à obtenir ses coûts de milliards pour s'enrichir davantage, pour acheter des maisons comme il le fait, il a proposé de choisir des gens. Ce qui me fait mal, moi, Benito, c'est les personnes choisies. Ce n'est pas la rédaction de la nouvelle, le projet, l'avant-projet de la rédaction de la nouvelle constitution, mais les personnes choisies. Les personnes choisies, c'est de la même façon que les ministres-là ont été choisis. La recommandation des personnes qui peuvent faire votre boulot, comme Ali Touré a été choisi pour nous détruire, détruire l'opposition, détruire tout ce qui peut prendre le pouvoir. Et sans compter, aider le CNRD, offrir une porte de sortie au CNRD, leur donner un échappatoire. Donc, lui, il a choisi ses hommes pour faire l'avant. Vous savez, on parle de l'avant-projet, on se connaît dans ce pays-là. Nous nous connaissons dans ce pays-là. C'est de la même façon, vous avez créé une concertation. Personne n'a attendu la fin de la concertation. Nous avons vu les résultats sur la toile. Donc, si tu as créé cette commission de rédaction, l'avant-projet de la nouvelle constitution, où se trouvent des individus que nous connaissons très bien, de mauvaise morale, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle constitution? D'ailleurs, est-ce que cette constitution n'est pas déjà écrite? Mais je vais montrer d'abord parce que mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour ne pas en non, Benito, tu mens. Moi, voilà le document. Vous avez vu le document? Voilà. Comme heureusement, je n'ai pas fait les mêmes écoles que Moses Kamara. Pas fait. Nous ne serons jamais satisfaits, c'est vrai. Voilà. Mais comme c'est toi qui es sur ma page là, voilà. C'est toi. Sinon, moi, si quelqu'un ne m'intéresse pas là, voilà le document. Voilà. Voilà le document. Hein. Le voilà ici. Voilà. Il a choisi des personnes. Il a choisi des gens. Excusez-moi, je vais enlever Moussa ici. Voilà. Vous savez. Voilà. Merci. Donc, Dansa Kuruma a déjà choisi ceux qui vont écrire la constitution. Il a déjà choisi.
Mais qui l'a consulté? Qui l'a consulté? Qui lui l'a consulté? Pour rédiger une nouvelle constitution, nous connaissons comment l'équipe doit être constituée. Parce que la nouvelle constitution, presque, c'est l'équivalent. Je ne peux pas comparer ça au Coran ou bien à la Bible. Non. Mais c'est, ça dit, c'est, dans la constitution là, c'est la constitution qui dirige un pays. Parce que dès que tu fais un acte là, on dit c'est dans tel article, tel texte de la constitution, on ne fait pas ça. Tout, la constitution est une référence pour tout un citoyen d'un peuple. Tout ce que tu fais là, tu dois faire dans la constitution. Ce qui est écrit dans la constitution, prescrit, écrit dans la constitution, tu ne peux pas faire hors. Donc, si on choisit des personnes qui n'ont pas le niveau d'écrire cette nouvelle constitution, il y a lieu, Benito vient détailler, expliquer, vous montrer les noms. À vous d'apprécier. Je ne suis pas le seul à apprécier. Mais c'est pour vous dire combien de fois notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Et ne vous attendez pas à une très bonne constitution qui est purement éliminée les trois candidats. Les gens, cela ne vont jamais. Ils vont mettre des règles ici qui vont exclure nos candidats. Et je vous ai tout tenté. Et j'insiste. Je signe l'exclusion de El Assir Dalein Diallo. L'exclusion de Kassori Fofana. L'exclusion de Sidi Touré. C'est l'équivalent d'une guerre dans ce pays-là. N'importe quel juriste, quelle que soit ta capacité, qui viendra dire devant les Guinéens, selon la loi, tel article, nous décidons que tel monsieur-là ne sera pas candidat en cause de tel. N'oublie jamais, monsieur le juriste qui le dira, qu'en disant ça, mets-toi en tête que tu es en train de mettre le... Je le dis en avance. Parce que je connais quelques-uns dans cette liste-là. On se connaît très bien dans ce pays-là. C'est à cause de ça que j'ai dit. Et je le répéterai tous les jours que Dansa fera partie des personnes qui seront responsables du chaos dans ce pays-là. Andito Folombe. Pour que l'Aïto Molhan Klima. Il était liste, mais qu'il était bon quand jamais. Voilà, maintenant, permettez-moi de lire et puis nous allons quitter ici. Voilà. Voilà. Je vais aller rapidement. Attendez, je vais enlever mes lunettes. Voilà. Conseil national de la transition. Arrêtez, papa. C'est PCNT, SGCNT. Portant nomination des membres de la commission ad hoc chargée de l'élaboration d'un avant-projet de la nouvelle constitution. Écoutez-moi très bien. Voilà. Écoutez. Arrêtez. C'est ça même. Merci. Voilà. J'allais oublier. C'est effectivement vrai. Après cette pagaille-là, c'est lui qui viendra. C'est-à-dire le président qui sera élu là. Il viendra changer tout ça là. C'est la vérité. Parce que si ce n'est pas bien fait, c'est lui qui viendra. Parce qu'ils vont mettre des choses là pour nous éliminer. Et cela ne marchera pas. Et, permettez-moi de mettre mes lunettes ici là. Bien. Arrêtez tel, portant nomination des membres de la commission ad hoc chargée de l'élaboration d'un avant-projet de la nouvelle constitution. Et ce, donc on continue, vu la charte de la transition, tout ça là, vu le décret, vu, d'accord, on laisse tout ça là. So, merci beaucoup pour les étoiles, merci beaucoup, Albar Kabouissou. So, merci beaucoup. Mess Barry officiel. Bonne fête, Barry, les nobles de maman. On joue les Yankao. Voilà. Et je vous souhaite une excellente fête, vraiment. Mess Barry, depuis la Suisse. Voilà. Porte-toi bien, je salue toute la famille. Sois salué. La yette ta famille, on faut, Moussa Dangalfo. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je continue. Je salue mon jeune frère, les nobles de Mamoun, les Barry, Mess Barry. Voilà. Donc, arrête. C'est-à-dire, dans ça, lui, arrête. Mamadou Fof, merci pour les étoiles. Arrête. Merci, respect. Merci beaucoup, frère. Article 1er. Les conseils nationaux et cadres de l'administration parlementaire, dont les prénoms et noms suivent,
sont désignés membres de la commission ad hoc de l'élaboration d'un avant-projet de la nouvelle constitution. Non, M. Cheikh Ahmed, écoutons. Voilà. Écoutons, vous savez, moi je lis. Voilà, ça ne vient pas de moi. Hein. Parce que nous faisons tout ça, tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des témoins. Un jour là, vous prendrez ça pour dire, voilà, c'est eux qui ont fait ça. Il faut que nous ayons des documents certifiant que certaines personnes seront tenues responsables de ce qui est arrivé dans notre pays. Il faut qu'il y ait des responsables. Il faut qu'il y ait des responsables dans tout ce qu'on fait là. Il faut qu'il y ait des responsables. Ils nous ont dit ici, c'est Alpha Condé qui a tué les gens. Il n'y a pas de problème. Depuis que la liste là est sortie jusque-là, est-ce que vous avez entendu un mouvement par rapport à ça? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ça, là, les gens nous ont dit quitter dans ça. Baba Sanogo Nwati, parce que vous ne pouvez pas arrêter la partie civile d'un assassinat, laisser la partie militaire. Ceux qui ont tiré, là, non, ils ne font pas partie. C'est ceux qui ont ordonné là qui font partie. Est-ce que d'ailleurs ils ont ordonné? Laissez-moi terminer. Nous allons écouter les noms. Vous allez vous rappeler. Quand vous allez écouter les noms là, vous comprendrez que notre pays est en danger. Je lis ça parce que notre pays est en danger. Il y a des personnes ici, ils sont extrêmement mauvaises. Ils ne sont pas crédibles. Les gens là sont responsables de beaucoup de choses dans ce pays-là. Et vous allez voir, ils vont dire bientôt, tu es netno. Vous allez voir. Ils vont dire Benito Tien Netuno parce que vous allez voir les noms de famille et vous me donnez raison. Regardez les noms de famille des personnes qui seront. Regardez les postes. Regardez les noms de famille. Vous comprendrez que nous sommes foutus. Si le peuple là ne se lève pas, wallah, quand ce sera trop tard, là, n'accusez pas quelqu'un d'autre. C'est à cause à moi, Benito, je fais tout mon mieux, je fais tout pour ne pas que je sois responsabilisé. On dit non. C'est vous, vous étiez là, vous n'avez rien fait. Non, 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 moi je dis pour moi, Yassine Diallo, comment on va depuis la Côte d'Ivoire. Vous devez dire pour moi et quitter le land. Moi, il y a plusieurs personnes qui sont témoins ici. En tout cas, Benito l'avait dit, moi je ne serai pas responsable. Seulement Sandulo, comment vas-tu? Soleil Sandulo. Voilà, je vais continuer. Des personnes qui ne sont pas crédibles, des personnes qui ne sont pas honnêtes, des personnes qui ont mis ces pays en feu, c'est eux-là qui vont faire la commission ad hoc. Ibrahim Ba, mon jeune frère de l'air, comment vas-tu? C'est les gens là. Bonne fête à toi, Ibrahim Ba. Merci. Écoute, voilà. Les conseils nationaux et cadres de l'administration parlementaire, d'abord l'administration parlementaire, ceux qui sont au Parlement là, n'ont pas été choisis par les partis politiques. Dans ce Parlement, est-ce qu'il y a les représentants de l'IFDG? Dans ce Parlement, est-ce qu'il y a le représentant du RPG arc-en-ciel? Dans ce Parlement, est-ce qu'il y a le représentant de l'IFR? Est-ce que nous avons nos représentants là-bas? Non. Donc, qui ont été choisis? Quelles sont ces personnes? Merci, Soleil Sandro. Écoutons, parce que nous ne sommes pas là-bas. Les principaux partis politiques ne se trouvent pas là-bas. Alors, je ne sais pas qui les a choisis. Le président de la commission, c'est lui qui va diriger la commission. Le président de cette commission-là, ad hoc, pour la rédaction de la nouvelle constitution, il s'appelle M. Mohamed Ali Cham. Il s'appelle Mohamed Ali Cham, il est magistrat. Numéro 2, le vice-président de cette commission ad hoc, chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Vice-président, Monsieur Mamadi Kaba, expert droit de l'homme, il est expert. Voilà. Vous savez, c'est le mot expert là qui a mis ce gouvernement dans les problèmes. Le mot expert. Évitez le mot expert. Tous ces ministres de Doumbis là sont des experts. Il est expert, expert. Est-ce que vous comprenez? Vice-président. Mohamed Ali Cham là. Allez, Mohamed Ali Cham. Vice-président.
Mohamed Ali, Mamadi Kaba, expert en droit. Maintenant, on continue. Rapporteur, Monsieur Jean-Paul Conté-Badounod, professeur de droit. Voilà. Lui, je le connais très bien, on le connaît très bien. Le rapporteur, Monsieur Jean-Paul Conté-Badounod, professeur de droit. Deuxième rapporteur, Monsieur Salia Camara, juriste. Vous vous rappelez de lui, Salia Camara? OK. Maintenant, quatre, les membres. Madame Fatima Camara, juriste. Ça, c'est les membres. Monsieur Ismaël Kabassé Samoura, historien. Merci beaucoup, Sabari. Bonne fête à toi, Sabari. Toujours les membres. Monsieur Sorel Keïta, vous connaissez Sorel Keïta? Vous connaissez Sorel Keïta? Vous rappelez Sorel Keïta? Vous vous rappelez de Sorel Keïta? Sorel Keïta est la personne qui a choisi les deux avocats qui avaient. C'est Sorel Keïta là qui avait choisi les deux avocats. Les deux avocats qui ont porté plainte contre Alpha Condé, contre Lula. Est-ce que vous comprenez? Écoute, vous connaissez Sorel Keïta, non? Est-ce que Sabari, tu te rappelles de Sorel Keïta? Sabari, tu te rappelles de Sorel Keïta? Keïta avec les avocats de Gawal. D'accord, il fait partie de la commission. C'est lui qui va rédiger la nouvelle constitution, Sorel Keïta. On dit qu'il est juriste, Sorel Keïta. Parce que c'est lui qu'on devait nommer comme ministre de la Justice. Mais il n'a pas eu ce poste-là. Ceux qui ont déposé les dossiers pour les nominations là. Avec l'arrivée du ministre criminel, là, il avait déposé pour le poste de ministre de la Justice, Sorel, là. Vous savez, avant, il travaillait au cimetière Cameroun. Voilà, il était administrateur au cimetière Cameroun. Voilà. Donc, Sabari se rappelle bien de lui. Lui, il fait partie des personnes qui vont rédiger la nouvelle constitution guinéenne. Sorel, on dit qu'il est juriste. Je continue. Général Abdoulaye Keïta, sociologue. Général Abdoulaye Keïta, sociologue. Monsieur Maury Dounot, juriste et expert droit de l'homme. Monsieur Souleymane Touré, juriste. Article 2. Voilà, ça c'est le secrétaire général, tout c'est fini. Est-ce que dans les noms là? Tous les noms qui sont là. Est-ce que vous avez entendu le nom? Ils vont dire que ce soit Benito Tien Netno. Ils vont dire Benito Tien Netno. Ils vont dire que ce soit Benito Tien Netno. Georges, merci beaucoup. Moi, je vais discuter avec les gens qui font des faux comptes. Voilà. Merci beaucoup et bye. Donc, voilà les personnes qui vont rédiger la nouvelle constitution en Guinée, nommée par Dansa Kourouma. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà les personnes qui vont écrire la nouvelle constitution. Laissons l'avant. Voilà. Le président, c'est M. Mohamed Ali Cham, le président de cette commission de rédaction de la nouvelle constitution, Mohamed Ali Cham. Il est très connu. On le connaît. Voilà. Voilà aussi l'ethnocentrisme qui est venu s'implanter ici. Voilà les gens qui veulent ramener le pays dans l'ancienne histoire. Ici, là. Voilà. C'est eux, ils sont là, là, dans ça. Quand on parle dans ça, on me dit, nos amis de promotion du Benito Atoué, Ndatoulaye, c'est un petit qui va brûler ce pays-là à travers son comportement. Honorable, merci pour les cœurs. C'est lui-là-même, il sera le premier à brûler ce pays-là. Monsieur Mohamed Ali Cham, c'est lui qui est le président de la commission, de la rédaction de notre nouvelle constitution. Vous connaissez très bien que nous nous identifions. Tout Guinéen s'identifie dans cette nouvelle constitution. Aux États-Unis, si on dit là, ça n'existe pas dans la Constitution. Donc, on ne le fait pas. On peut amender la Constitution, on amende, on peut amender. Voilà, tout récemment, on est en train d'amender pour qu'il y ait plus de port d'armes. Plus de port d'armes. Ils veulent que maintenant, devant les écoles, que les gens portent les armes. Devant les écoles. D'autres même veulent que les professeurs, les enseignants dans les écoles aux États-Unis portent les armes. Mais ça ne se trouve pas dans la Constitution américaine. Ça ne se trouve pas dedans.
Ambiance, il faut le saisir, déjà bloqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Cham, on se connaît dans ce pays-là. Tu es un frustré. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je reviendrai après sur ça. Regardez tous les noms qui sont là. C'est nous. Ce n'est pas une autre personne. Ça n'existe pas. C'est nous. Dans ça, le pays là, appartient à toutes les ethnies dans sa Sakurouma. Diamana, même Bétalé, c'est pour tout le monde. Bétalé, il ne faut pas faire le semblant. C'est vrai qu'il est là. Otoy. Voilà le président de la commission. Ali Cham, tu vas me dire que c'est un peu. C'est faux. Tu vas me dire tout cela que Mamadi Kaba, c'est quoi? C'est nous. Fatima Kamara, c'est qui? Tu vas dire que c'est un sous-sous. Ismaël Kassamoura, c'est un 144, il est juriste. Ibrahim Assoré Keita, tu vas me dire que c'est un sous-sous. Marc Lichel, merci beaucoup. Ablaï Keita, sociologue, général Ablaï Keita, sociologue, c'est qui, c'est quoi ça? Mori Duno, juriste, c'est quoi ça? Souleymane Touré, juriste, c'est quoi ça? Il n'y a ni un Diallo ici, il n'y a ni un Pogomo ici, il n'y a ni un Kouévogui ici, il n'y a ni un Souma ici, il n'y a ni un Bangoura ici. Oui, je soulève cette question dans cette commission. Tout est quoi? Et quand tu parles, on dit non, tu es un ethno. Tu parles, on dit non, tu es un ethno. Dans ça, dans cette commission-là, dans ça. Tu ne fais pas attention. Nous, nous gardons tout ça là. C'est devant l'histoire. Tous ces documents là, c'est devant l'histoire. Nous gardons tout ça là. C'est ta science ici que tu es docteur. Tu n'as pas ton doctorat, mais tu es docteur. Ce n'est pas parce que tu as fait la médecine qui te fait automatiquement un docteur. Ce n'est pas parce que tu as fait la médecine qui te fait automatiquement un docteur. Pour apposer ton nom de docteur là. Ni un Milimolo, ni un Tolo. On voit du compte banou là, on dit c'est un Kissino. Laissez le semblant. Tu seras tenu responsable de ce qui va arriver dans ce pays là. Je demande à toute personne qui aime la Guinée, allez regarder cette liste. Allez-y, regardez cette liste. Après, c'est pour venir de Benito. Moi, je dis vos avis là. Donc, chers concitoyens, voilà le nom des personnes qui vont rédiger nos références. Parce que la nouvelle constitution, c'est une référence. Nous nous identifions dans cette nouvelle constitution. Quand on vous dit que ce monsieur-là est venu uniquement pour mettre quelqu'un que la France veut. Mais vous ne voulez pas entendre parler, il n'y a pas de problème. Peuple de Guinée, restons comme ça. Restons mobilisés dans le silence. Il n'y a pas de problème. Nabin Ti Salmafo, et bonne fête. Anna Mousso Djuma, première dame. Parce que ce que je sais, c'est ce que Djabi dit comme ça là. Moi-même, je peux écrire. Moi-là-même, dans tous mes anciens documents, quand j'étais directeur là, je mettais docteur. Je mettais docteur. Mais lorsque j'ai repris les cours de sociologie à Symphonia, pour une autre formation là, j'ai abandonné. Ce n'est pas parce que tu as fait la médecine que tu vas coller ton doctorat. Montre-nous le diplôme où tu as soutenu pour avoir ton doctorat. Parce qu'à ma connaissance, c'est tout récemment qu'à travers le professeur Fakonde, que certains pouvaient maintenant avoir leur diplôme, leur doctorat en Guinée, sans se déplacer. Ça, c'est le temps d'Alpha Condé. Bande d'ingrats. Sur la liste là, il n'y a ni un Diallo. Il n'y a ni un Ba, il n'y a ni un Bari, il n'y a ni un Souma, ni un Bangoura, rien. Tu as choisi les gens vendus. Des personnes faciles. Les Sorel, on connaît Sorel? Sabari, non, c'est Sorel-là qui a mobilisé les deux avocats là, de Gawal-là contre Alpha Condé. Et d'ailleurs, M. Cham-là, on le connaît très bien, nous connaissons M. Cham. M. Cham, moi, je le connais très bien. Très bien, même tous ces postes-là. Si nous reproduisons ces postes sur la toile là,
les gens vont comprendre pourquoi elle a été choisie. Vous avez choisi les gens qui peuvent accepter facilement d'écarter les autres à tout prix. Vous avez étudié Charles White, vous l'avez jeté. Je l'avais dit. Charles White était déjà informé. Vous avez fini d'étudier Charles White. Il nous a mis en prison. Maintenant, vous n'avez plus besoin. Comme il est foutu, il est fini. Vous l'avez envoyé comme ministre. Le procès remaniement qui arrive comme ça, là, il est à la touche, c'est terminé pour lui. Mais c'est bien fait pour lui. Moi, j'ai dit à Charles White, ce n'est pas à Charles White tout seulement, à Gawal, à tous ceux qui travaillent avec Doumbouya, là, ils sont en fin de carrière. Moi, je ne vois pas un gouvernement, quel que soit venant d'un parti politique, le prochain président, qu'il soit de l'IFDG, du RPG, de l'IFR, je ne vois pas quelqu'un parmi les trois là choisir. Wallah, choisir un élément parmi ceux qui travaillent actuellement là. Parce que parmi vous, il n'y a aucun compétent. Parce que la compétence, c'est dans la pratique. C'est les Américains, c'est dans la pratique. J'ai eu mon diplôme dans telle université, j'ai été ingénieur dans ça. Là, 30 ans, non, on dit, bon, voilà le boulot. La pratique. Aux États-Unis, c'est la pratique. Ici, là, c'est la pratique. Ce n'est pas le blabla. Les gens ont ramassé des diplômes, ils ont falsifié, sont partis vous donner et puis dépendent dans le ministre. Mais ça ne marche pas. Et c'est vrai. Vous comprenez? Nous avons aujourd'hui le quatrième élément qui montre aujourd'hui que moi, Bento, lorsque j'ai fait mon direct, la première fois, j'ai parlé de moi, c'est King même, Aziz qui avait repris la vidéo. Lorsque je m'étais insulté, opposé, j'ai dit, je ne suis pas d'accord que ce soit le chef d'état-major général, c'est nous, le haut commandement, c'est nous, le chef de la junte, le criminel, c'est nous. J'ai dit, je continue, je citais le ministre de la Défense, c'est nous, le ministre de l'Économie et des Finances, c'est nous, le gouverneur de la Banque Centrale, c'est nous, il y a qui encore? Le président du CNT, c'est nous, hein? Et quoi encore? Je peux citer tous les postes clés, si ce n'est pas nous. Et puis on prend les peules et les sous-sous, on lave les visages à travers un petit poisson. Il y a les peules dedans, il y a les sous-sous dedans. On met un grain dedans, un grain dans tout. Un grain comme ça, on met un grain. Mais comme dans cette phase de la Guinée-là, vous savez très bien que les gens sont plus que déterminés. Vous ne mettrez jamais un vrai sous-sous. Jamais un vrai sous-sous. Vous savez très bien qu'il va s'opposer. Vous mettrez un peule dans cette commission-là, vous ne le ferez pas. Non! Vous ne le ferez pas. Je parle d'un vrai sous-sous. Parce que votre manipulation, vos comportements, votre façon de fonctionner, tout est compris. Tout est compris. Et c'est déplorable. Hier, tu es venu prier avec ta famille, avec ta femme qui est devenue musulmane ou tes enfants. Au même moment-là, les papas de certains sont en prison. Le papa de certains sont à l'exil, il ne peut pas rentrer. Ils sont chefs de parti politique, il ne peut pas rentrer. Toi, paisiblement, tu viens prier avec ta famille, tu es à l'aise. Tu interdis les autres d'être à l'aise avec leur famille. Moi, je sais pourquoi vous avez libéré les membres du FNDC. C'est parce que j'ai vu un jour, même pas que ça a fait le déploiement, c'est pour dire qu'il n'y aura pas de la prière, il n'y aura pas de tabaski, pour ne pas perturber la fête là. Vous avez eu peur. Mais c'est nous qui avons dit, nous soutenons le FNDC. Voilà. Mon frère de sang, Ayuba Kourouma, bonne fête à toi, mon frère. Respect à toi, Ayuba. Je dis, je le répète encore ici. Tu as vu, non, ils n'ont pas pu. Je dis, je soutiens le FNDC. Ce n'est pas parce que le FNDC a combattu Alpha Condé que moi, je viendrai attaquer le FNDC. Non. Je l'ai tout le temps dit. Depuis que dans une démocratie, il doit avoir un bon président, un président dur et un opposant dur. Oui, parce qu'il faut que les deux montent les muscles pour que les gens comprennent comment la démocratie fonctionne. J'ai dit, c'est Ella Sedale Ndiallo là qui a fait 1000 manifestations là. Et Alpha Condé, le dictateur, comme le disent les gens, qui ont fait que nous avons aimé la politique. Nous n'avons plus le goût de la politique. Si celle-là était pacifique, celle-là était, non, m'excuse, celle-là était simple, était achetable, était invendu. On l'achetait facilement. Si on allait prendre ses,
trois, quatre ministres donnés à Alpha Condé, il n'y avait plus de position en Guinée. C'est terminé. Alors, comment on allait noter l'indice de démocratie en Guinée? Il y a des institutions qui travaillent pour ça. Il y a d'autres aussi qui mangent dans ça, la notation-là. Ils mangent dans ça. Ils évaluent les pays en matière des droits de l'homme, tout, tout, tout. C'est dans ça, là. Dans un pays, il faut avoir un bon opposant, un bon président. En tout cas, les deux doivent donner le coup pour que les autres comprennent. C'est dans ça aussi, il y a le mangement. Mais regardez actuellement, vous, les démocrates, vous qui aimez ce pays-là, vous avez tout mis dans une seule famille, de tout d'un côté. Tout est d'un seul côté, dans une seule famille. Je peux dire comme ça, une seule ethnie, tout est dans nous. C'est nous qui avons tout. C'est nous qui devons diviser. Et puis le prochain président doit être de nous aussi. C'est ce que vous voulez. Et ça ne marchera pas. Moi, je m'oppose. Il y a eu tellement d'injures. Jusqu'à aller dire que Souflati, oui, je suis Souflati. Deux, j'appartiens à ça. Allô, Senba, comment va depuis Pita? Là où je suis né, là. Je suis né à Pita, donc tout moi. Merci, frère. Respect à toi, mon frère. Donc, mon frère, je vais revenir sur le président Dadi. Je vais revenir sur Jeune Afrique encore. Moi, je vais vous montrer ça. C'est curieux, mais ce n'est pas curieux, c'est réel. Ça, c'est le prochain numéro. Le cas de... Bon, tout ça, ça est dans Jeune Afrique. Le cas, voilà, le cas où Robert Sarab, voilà. Et voilà, ça, c'est dans Jeune Afrique. Voilà, Jeune Afrique, je suis abonné. Robert Sarab, Paris Match, et Vincent Bloué, un cardinal guinéen dans un jeu de qui franco-français. Maintenant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse beaucoup, là, je vais vous montrer ça. Excusez-moi une minute. Vous avez vu le Sri Lanka, hein? Vous connaissez le Sri Lanka? Le Sri Lanka, tellement que le peuple en a marre maintenant, ils sont fatigués de la dictature, ils ont envahi aujourd'hui, le président a fui pour ne pas qu'on le prenne au palais vivant, le brûler. Voilà un peuple. Voilà, ils sont fatigués. Regarde le baron, ils sont fatigués. Voilà, ils sont sortis aujourd'hui, ils sont déterminés, ils ont fait fuir. Je vais vous montrer ça parce que on dit non, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas. Regardez. Voilà, ils sont en train de gazer la population. Regarde l'eau chaude. Et là, ça c'est au palais. Ils sont fatigués du président Sri Lanka. Ils sont fatigués de lui. D'accord. Attendez, le plus important. Attendez. Charles Reclama, je n'ai pas pleuré pour Tade. Nous parlerons de cette jeune fille qui est décédée. Nous parlons de cette fille-là dans un procès direct. Voilà la fille-là. Voilà. Qui s'est donné la mort à cause de Bala Samoura. Elle s'est donné la mort à cause de Bala Samoura.